Eh bien, voilà les deux candidats qui frappent à la porte de la grande finale. Irène, bravo. C'est déjà pas mal d'en arriver là, moi, j'ai dit. Je suis très fière. Donc, Irène, qui habite Molette. Molette, ça doit se trouver pas loin de Oudan. Oudan se trouve pas loin de... c'est en Ile-de-France, en tout cas. C'est en Ile-de-France. Et c'est pas loin de Paris. Non. On est à combien de Paris, là? 60. Bah, on n'est pas loin de Montfort-l'Amaury à ce moment-là. Ah oui, 10 km. Très bien. Alain, tout va bien pour lui. Lui, c'est la Belgique et c'est Liège. Et il habite un des quartiers de Liège qui s'appelle Chédé, si j'ai bien compris. Voilà l'affiche de ce soir. Alors, lequel des deux affrontera Olivier? Olivier qui vous attend. Olivier qui va jouer, lui, ce soir pour une deuxième victoire. Olivier, un petit mot sur nos deux candidats qui viennent de se qualifier pour le face-à-face. Ce sont deux candidats qui sont excellents et qui ont l'air particulièrement redoutables et entraînés. Oui. Et par patriotisme, je vais quand même soutenir Irène. Irène, ça va les prôner encore plus, là. Alain, on va voir ce que ça va donner. Alain face à Irène. Allez, c'est parti. Un match que vous allez jouer en 15 points. Vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question et à tour de rôle, vous pouvez prendre ou laisser la main. Premier, le premier des deux qui arrive à 15 vont en finale. Question art. Voilà, ça c'est pour vous. Petit indice, encore une fois, les candidats qui sont ici sur le plateau ne voient pas ce que vous voyez et vous avez cet avantage sur eux, bien sûr. Que dit Alain? Je prends la main. Activité artisanale dans laquelle s'illustre Mathéo Gonnet, je requiert de 5 à 15 ans de pratique, ainsi que des notions de physique et de chimie. Pratiquée au moyen d'une longue tige creuse, la canne, je consiste notamment à... Irène. Souffleur de verre. C'est non. Top à recueillir dans un creuset une masse de verre en fusion, appelée paraison, puis à en régulariser la masse au marbre. Technique par laquelle l'artisan souffle de l'air dans la canne. Oui, oui. Un soufflage. Complété. Soufflage de verre. Bien joué. Bien sûr qu'on n'était pas loin. Bien sûr. On ne peut pas vous l'accorder. Je fais toujours de la peu près. Technique par laquelle l'artisan souffle de l'air dans la canne pour donner forme au verre, le soufflage du verre. 2-0, cinéma. Je laisse la main. Actrice américaine née en 58, j'ai incarné Ophélia dans la comédie Un fauteuil pour deux en 83, après avoir tourné dans plusieurs films d'horreur. Apparu récemment dans les séries NCIS et New Girl. J'ai notamment joué dans Un poisson nommé Vanda ou encore True Lies aux côtés de Schwarzenegger. Ayant incarné Laurie Strode dans Halloween, John Carpenter, je suis, oui. Jamie Lee Curtis. Ah oui, très bien. Jamie Lee Curtis. Et qui est Jamie Lee? C'est la fille des comédiens Janet Leigh et Tony Curtis. C'est Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, bien joué. 4-0. Attention, Irène, je ne voudrais pas que ça soit très déséquilibré. Il faut y aller maintenant. Histoire. Je vais essayer de prendre. Hein. Discours. Quel est ce discours prononcé à la radio il y a 60 ans, un 1er février? Je dresse un plan d'action assorti de l'exhortation. Oui. Plan Marshall? Ah non, ça c'est non. Franchement non. Et là, ma passe. Top, je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Prononcé après la mort d'une femme, boulevard Sébastopol, à Paris, je dénonce le sort de milliers. Oui. L'abbé Pierre. Le discours. Attends, complétez. Moi, j'ai déjà un bon complété. L'appel de l'abbé Pierre. Bien joué. Non, là, ça, c'est bon. Je n'avais pas. Avant la date, je n'avais pas. J'ai pas réfléchi. C'est fascinant ce qui s'est passé. Il se passe un moment extraordinaire. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Et c'est un appel prononcé après la mort d'une femme, boulevard Sébastopol à Paris. Je dénonce le sort de milliers de sans-abri au cours d'un hiver, en plus un hiver glacial, un hiver très froid. Appel qui a entraîné une vague de solidarité et l'instauration de la trêve hivernale pour les expulsions, lancée par le fondateur d'Emmaüs, l'abbé Pierre. Et je conseille à tout le monde de regarder ce film, l'abbé Pierre, hiver 54, avec Lambert Wilson, qui joue le rôle de l'abbé. L'appel de l'abbé Pierre. 4, 3 et animaux, c'est pour vous, Irène. Et là, ça y est, il faut se décontracter un peu, on s'oxygène. Bon. J'annonce animaux pour vous. Bon, je prends. D'accord. Petit passereau, ayant pour nom scientifique, carduélis, mon nom figure dans le titre d'un tableau de Raphaël, peint vers 1506. Présent en Europe, sur le pourtour. Oui. Le chardonneret. Oui, bien joué. Alors là, je vais demander à Alain
C'est la pâture. Ce hein. que j'ai dit qui le met sur la voie. C'est la pâture, parce que sinon, je l'ai encore dit juste avant de jouer, les animaux, la botanique. Non, 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 mais ça nous dit rien, c'est la peinture. Ouais, qu'est-ce qui vous met sur la voie? Raphaël. Quoi, Raphaël? Bah, la pâture. Et alors? Eh bah, Chardonneret. Non, quel est le rapport entre Raphaël et Chardonneret? Bah, je sais pas, ça vient tout seul, qu'est-ce que je te dise, moi? Présent. J'essaye de savoir ce qui le met sur la voie, sur le Chardonneret. Parce que quand on dit Raphaël, c'est pas évident. Donc je sais pas ce qui le met sur la voie. Pipassereau, bon d'accord, présent en Europe, sur le pourtour méditerranéen jusqu'en Asie. Je mesure 14 cm de long pour un poids d'environ 15 grammes. Oiseau au chant mélodieux, au plumage bariolé, je suis reconnaissable au masque rouge qui orne ma face. Devant mon nom, on fait que je me nourris de graines de chardon, le Chardonneret. 7-3. Santé, médecine. Oh, je vais continuer à te prendre. Hein. Ça réussit. Tabassement médical. J'ai été inventé au XVIIe par les chambellans des Huguenots, exilés en Angleterre et dont la famille garda longtemps le secret de leur invention. Oui. Microscope. Non, non. Non. Amélioré par Levray, Tarnier, Demelin, dans le sens d'une meilleure adaptation à la courbure pelvienne, je suis une sorte de pince composée de deux. Oui. Un spéculum. C'est non. De deux cuillères métalliques. Instrument d'obstétrique, facilitant les naissances difficiles, oui. Un écarteur? Non, c'est non. Non, ça, c'est non. Elle l'a, sans doute. À partir de ce... Tape, j'ai fait baisser la mortalité. Oui. Le forceps. Voilà, forceps, d'accord. J'ai fait baisser la mortalité infantile. Les fers, le forceps. 7-5, gastronomie. Et c'est Irène qui décide. Je vais prendre. Type de gâteau, confour de crème pralinée pour réaliser un tonkinois. J'aurais été créé en 1807 dans la pâtisserie parisienne de Félix, un jour où les blancs d'œufs montaient... Oui, oui. De Paris-Brest. Ah non. Top où les blancs d'œufs montaient en neige pour un biscuit de Savoie étaient retombés. Pouvant être garni de crème ou de confiture, je donne mon nom à un moule à bord haut, également utilisé pour cuire d'autres gâteaux. Oui. Manqué. Manqué, très bien. Le gâteau manqué. Gâteau dont le nom indique que j'étais raté à l'origine, gâteau manqué. Égalité. Chacun son tour, c'est Alain qui joue. Littérature. Je prends. Personnage de la saga Harry Potter. J'ai pour prénom Albus Perceval Vulfric Brian. Oui, oui. Dumbledore. Vous dites Dumbledore. Dumbledore. Oui. Le professeur Dumbledore. Oui. C'est oui. Bien joué, Alain. D'accord. Directeur de l'école de sorcellerie Poudlard, où est admis le jeune Harry. C'est le professeur Dumbledore, 11-7. Irène, il faut revenir. Sport. Je laisse la main. Sportif, né en 1971, j'ai débuté par le triathlon avant de m'orienter vers le cyclisme. Champion du monde professionnel sur route en... Oui. Lance Armstrong. Lance Armstrong, d'accord. Ça, c'est bien joué. Terminé, c'est gagné. 15-7. Alain est en finale. Olivier, Alain, Alain, Olivier, ça va être l'affiche de ce soir. Serein, inquiet, Olivier. Content. Content pour lui, et puis bravo aussi à Irène qui a fait un très beau match. Exact, ouais, il a raison Olivier. Donc on va voir un match de toute beauté dans un moment. Olivier, Alain, Alain face à Olivier, un match en 21 points. Irène, bravo. Bravo. Cycliste américain, Lance Armstrong, quelle histoire. Ma sœur est fan absolue. Ah oui ? Il y a des posters dans sa chambre. J'en connais des fans aussi. J'en connais des fans. Moi aussi, j'en connais des fans d'Armstrong. Cycliste américain, vainqueur 7 fois d'affilée du Tour de France. J'ai annoncé ma retraite définitive début 2011. Lance Armstrong, 15-7. Alain est donc en finale. Irène va s'arrêter là. Bravo, Irène, quand même. Et il vous reste quelques minutes pour participer à notre concours. Décrocher 3000 euros. Quel animal peut être dit de gouttière ? Quel animal est de gouttière ? Le chat de gouttière ? Réponse 1. Pas du tout ! Un âne de gouttière. Ouais. Réponse 2. 32-43, tout de suite. 32-43, par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses.
On se retrouve dans un moment avec d'un côté Alain, de l'autre Olivier qui va jouer pour une deuxième victoire dans le match, le choc, le jeu.